crossover Nissan Juke, la technologie sans compromis. Oui, SNCF devient SNCF Connect. Métro, bus, train, désormais, organisez tous vos trajets sur une seule appli. SNCF Connect. SNCF devient SNCF Connect. Métro, bus, train, désormais, organisez tous vos trajets sur une seule appli. SNCF Connect. Profiter d'une nouvelle liberté, c'est les mots qu'on peut voir sur la nouvelle vidéo de promotion du tram 13 Express d'IDFM qui nous ont enfin donné une date d'ouverture le 6 juillet, mais à une heure tardive comparée aux autres lignes. Quelles sont les raisons? C'est ce qu'on va essayer de comprendre dans ce journal. Bonjour à tous, dans le reste de l'actu, le prolongement de la ligne 14 vers l'aéroport d'Orly avance à grands pas. Alors que l'aménagement des gares commence, une concertation a été organisée jusqu'au 4 juillet auprès des futurs usagers de la ligne pour leur permettre de choisir les futurs noms de stations définitifs. À l'heure actuelle, près de 14 000 votants ont pu faire leur choix. IDFM promettait la fin totale des tickets en carton, les remplaçant par des passes Navigo Easy. Aujourd'hui, c'est chose faite, mais nous allons savoir pourquoi l'option origine-destination n'est toujours pas inclus dans le dispositif. Et pour finir, c'est le retour des travaux d'été sur vos lignes. Par l'occasion, plusieurs lignes de RER, métro, tramway et transilien sont concernées. Plus de détails à la fin de ce journal. Bienvenue dans cette nouvelle formule du journal sur Transport TV et à la une pour commencer, le tram.